Toto Wolff est-il le perturbateur de la F1? Des rumeurs émanent de plusieurs patrons d'équipe de F1 selon lesquels le patron d'équipe Mercedes Toto Wolff serait un facteur de perturbation au sein de la Formula 1 Commission, un organe décisionnel de la F1. La commission F1 est décrite comme l'un des groupes les plus secrets de la structure décisionnelle de la Formule 1. Le groupe se compose principalement de patrons d'équipe de F1 et semble avoir son mot à dire sur les choix qui ont été faits dans le sport ces dernières années. Au sein de ce groupe, Wolff semble jouer un rôle étrange. Plusieurs patrons d'équipe qui ne veulent pas être nommés pensent que Wolff ne tient pas parole et ont déclaré que le patron de l'équipe dit une chose lors de conversations informelles, puis fait le contraire lors d'une réunion de groupe. Entre autres choses, Wolff aurait perturbé la discussion sur les moteurs 2026 et le plafond budgétaire. Un patron d'équipe anonyme a déclaré: Il est souriant et d'accord avec nous, puis revient dessus lors des réunions. Toto est bien considéré par beaucoup d'entre nous, et ses opinions ont du poids, mais nous trouvons tout ça étrange. Je suis sûr qu'il s'agit d'une manœuvre politique de sa part, car il est dans son intérêt de se rallier à son propre point de vue, aussi stupide que ça puisse paraître. Alors je vous rappelle qu'il y a la chaîne 100% Actu Mercedes, hein. C'est Team F1 Mercedes News, lien dans la description. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Bref, Toto, bizarre. Quoi, il joue un double jeu en fait, Toto Wolff. C'est ça la vérité. Étrange. Ciao.